Et à la une, deux corps retrouvés dans le Var. C'est le bilan humain des inondations. 71 fires now burning across the state, 8 of which are now at emergency level. All that I have seen and learned on my journey has absolutely terrified me. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique se déversent en mer. I wanted to panic. I wanted to feel the fear I feel every day. The power of Mother Nature is really an incredible, but also very scary thing. Amid a dizzying array of warnings about the state of the planet, Down to Earth investigates a new disorder of the 21st century, the rise of eco-anxiety. Je m'appelle Justine Davas et je suis animatrice et conférencière en zéro déchet et transition écologique. L'éco-anxiété, ça regroupe un peu un panel de sentiments, la colère, l'impuissance, la tristesse. Dès que je sens les premiers signes de l'éco-anxiété, je fais ce qui est bien pour moi, c'est-à-dire je coupe les réseaux sociaux, je vais manger un carré de chocolat, je vais prendre une douche chaude, je vais faire du yoga, je vais dormir, enfin je vais faire des choses en fait qui vont calmer mon métabolisme et qui vont me faire revenir un peu à la normale. Les éco-anxieux ont conscience de la destruction de leur environnement, environnement qui conditionne notre propre vie. Si on n'a plus d'eau à boire, si on n'a plus d'air à respirer, si on n'a plus de nourriture de qualité à manger, c'est normal de commencer à s'inquiéter pour sa propre vie. L'une des manières d'appréhender son éco-anxiété ou de l'améliorer, c'est d'en parler. Et en fait, sur ce groupe Facebook que j'ai créé, l'objectif, c'est quand même de pouvoir apporter du soutien à des gens qui sont un peu en panique. J'anime des ateliers sur le zéro déchet ou sur le plastique. C'est aussi un moment où on peut échanger sur l'éco-anxiété, sur l'action individuelle et l'action collective. Je pense que c'est plutôt les gens qui disent qu'ils ne sont pas éco-anxieux qui ont du souci à se faire. Je pense que être éco-anxieux, c'est être normal. Parce que quand on a autour de soi des choses qu'on aime qui meurent, c'est normal de se sentir un peu endeuillé. Climate change is the biggest global health threat of the 21st century. That's according to the world's leading medical experts. A risk to physical health through the direct impact of heat waves, storms or wildfires, but also mental health. After Hurricane Katrina, almost one in three people surveyed displayed signs of post-traumatic stress disorder. And there's also the anticipation of a bleak future, with concerns becoming so common that psychologists now define eco-anxiety as a chronic fear of environmental doom. And the number of patients is accelerating. Donc, je suis Pierre-Éric Sutter, je suis psychologue et psychothérapeute. J'ai été interpellé par des patients, une patiente en l'occurrence. J'ai découvert que c'était des peurs grandissantes dans notre société. Les gens qui ont peur des symptômes liés au réchauffement climatique, c'est des peurs classiques que les psychologues connaissent bien, des peurs somatiques, par exemple la peur de ne plus bien manger. Donc c'est des peurs assez primaires. Ensuite, vous avez des peurs plus secondaires qui sont des anxiétés, c'est-à-dire je dors mal la nuit parce que je m'imagine des choses vis-à-vis de mon destin. Tout le monde a peur, c'est une loi universelle du genre. C'est pas parce que certains ont peur par anticipation et qui sont presque, je dirais, des prophètes en fait, en ayant peur avant tout le monde, qu'il faut les dénigrer. Hein. Moi, je pense qu'il faut les écouter. L'action permet justement de lutter contre les phénomènes dépressifs, la tristesse, la colère. C'est très important de se mettre en relation avec des collectifs qui ont les mêmes préoccupations, parce que l'action efficace ne sera que collective. Tout seul dans son petit coin, on s'épuise et on risque le burn-out écologique. Hein. C'est-à-dire un épuisement très rapide de ses propres ressources face à l'épuisement des ressources naturelles. Psychologists agree that one of the best ways to manage eco-anxiety is to take action. The question is, of course, how? Some are already taking drastic measures in anticipation of the worst. Alors, je suis Bénédicte. Je m'appelle Rémi. Et nous habitons dans un petit village du Cantal. On a trois enfants et on pratique l'école à la maison. Nous sommes une famille qui vise l'autonomie et la résilience.
C'est pas un jour où on s'est réveillé en se disant tiens, si on devenait collapsologue, collapsonaute, non. C'est quelque chose qui s'est construit dans nos choix de vie, dans notre fonctionnement. Voilà, il y a un terme aujourd'hui qui correspond à ce qu'on fait. Et voilà, on a cette étiquette-là. L'autonomie permet de se dire qu'on va être moins dépendant de cette société qui, elle, va être déséquilibrée par ce changement climatique. Au départ, c'est surtout l'alimentation. On a l'habitat, évidemment. Après, c'est l'énergie. Donc, on essaie de produire un maximum de notre énergie nous-mêmes. C'est les panneaux solaires et une petite éolienne qui nous produisent ce dont on a besoin. Il y a la santé. Apprendre à se soigner avec ce qu'on trouve dans notre jardin, finalement, parce qu'on a des plantes locales qui sont très, très efficaces. On n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour ça. Pour nous, ça, c'est primordial. C'est l'action, c'est le fait de faire et d'interagir avec ces changements-là et ce climat qui on ne sait pas trop où ça va nous amener, mais ça nous permet de ne pas avoir cette anxiété-là et pas avoir ces angoisses.